Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va continuer l'album aujourd'hui avec les papiers que Sylvie m'avait offert. Donc je continue le défi, voilà. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle page, on va essayer d'en faire une, peut-être deux, je vais voir. Donc pour l'instant il n'y en avait qu'une de faite, hein. Je vous remontre la page qui avait été faite. Donc celle-ci, voilà. Alors, j'ai fait une petite erreur, enfin une petite erreur, pas grande, c'est que j'ai déjà collé cette page-là. J'aurais pas dû, mais bon, c'est rien, je vais rattraper après. Vous verrez par la suite comment je ferai, mais bon, c'est pas un grand souci, hein, je vais rattraper cette petite erreur. Bon, là, bien sûr, je peux plus le décoller, hein. Alors, vous rappelez que là, je n'ai pas utilisé de double face. J'ai utilisé que cette colle-là. Voilà. Donc, je vais continuer parce que, du coup, ça va nickel. Il n'y a pas de défaut sur la page, ni rien. Et puis, ça colle bien. Donc, je vais continuer avec la colle pour faire mon album. cette fois-ci, je n'utiliserai pas de double face. Au moins, pas de problème pour dans la durée. Donc, aujourd'hui, on va faire une nouvelle page et je vous laisse visionner la suite. À tout de suite. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va prendre donc toujours notre support. Hein. Donc, 21 sur 25 cm. Voilà, c'est notre support de page. Donc, aujourd'hui, je vais choisir cette page. Voilà, que je vais découper en 20,5 sur 24,5. Aujourd'hui, je ne vais pas faire l'erreur. Donc, on va le faire tout de suite. Ce qu'il fera, je vais vérifier. Voilà. Impeccable. Alors, sur cette page, il faudrait faire une cascade. Donc, je vais prendre une image de cela. Je vais prendre celle-là, puisque c'est la même que la page. Voilà. Il faut que je regarde ce que ça va donner. Ok. Donc je vais d'abord préparer celle-ci pour pouvoir me préparer les autres. Donc ça mesure 15 cm sur 10. Donc on va remettre 1 ou 2 mm de chaque côté. Voilà. Je fais une cascade de 3.
je vais coller le premier et après je ferai mes plis. Comme ça, je peux me repérer. Voilà. Alors, maintenant, je mets bien mes plis. Donc là déjà, alors il me reste 5,5, mais je ne vais pas utiliser 5,5. Hein. Alors, 3 mm, donc là c'est le premier. Alors, je fais un premier trait à 3, deuxième à 3 mm. Et le retour à 1 cm et demi. Donc là, je vais d'abord couper ça, ce que j'ai en trop. Et là, pas me tromper, je vais faire avec celle pour les plis. Allez, plie-toi. Voilà. Donc là, j'ai 3 mm. J'ai 3 au-dessus du dessin. J'ai 3 pour le pliage. Et j'ai 1,5 cm pour le retour. Je vais poser le premier. Alors pour poser le premier, je vais prendre ma planche à découper là parce que je vais le faire avec un scalpel. Si je trouve mon scalpel. Oui. Et une règle.
Voilà. Pourquoi je fais comme ça? Parce que comme ça, je passe ma languette. Alors, je regarde si j'ai besoin de refaire un tout petit... Oui. Voilà, comme ça, ma languette est ici. Et ça, je vais le coller. Un peu trop de colle, mais ça fait rien. Voilà. Allez, c'est comme ça pour longtemps que ça sèche. Donc, je vais compter 1,5 cm. Je pense que je me trompe pas en faisant comme ça. Donc là, je vais couper pareil ici, à quelques, on va dire à 3 mm.
Il y a d'autres manières hein, de le faire aussi, mais bon. Je fais comme ça. Ah zut, ça ressort. Avant que ce soit bien collé, il faut que je le mette bien droit. Voilà. Il ne faudra pas que j'oublie mon aimant. Alors, aimant. Je les ai mis où les aimants? Ah mince, ils sont en bas. Je vais aller les chercher après. Et la dernière.
Donc pareil, à 3 mm. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre mon tapis de coupe en bas, en dessous. Mince. Ouf, ça va, ça n'a pas coupé ma table. Voilà. Bon, ça va se redresser en collant sur la page. Hein. Donc maintenant, il faut que je fasse pour mon... Comment? Pour la fermeture.
Donc, par contre, je ne veux pas laisser carré comme ça. Donc, on va prendre. Non, ça, c'est pas assez. On n'a pas de perfos. Voilà. Voilà, comme ça vous avez, ça fait rond. Donc maintenant, alors un petit bout, une chute de papier. Voilà. Donc là, je mets pas de papier puisqu'il y aura des photos, ça sert à rien.
Par contre, je vais refaire ce que j'ai oublié. Millimètres. Un pli pour l'épaisseur. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fais. Alors, je pense que je suis bien au milieu. Voilà, donc maintenant il me reste à mettre les aimants. Alors voilà, j'ai mes aimants, donc j'en ai deux, hein, bien sûr. Donc ils font 1 mm hein, d'épaisseur, donc c'est très bien pour les albums. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais peut-être remettre un papier là, parce que bah, du coup, j'aurais dû les cacher avant, mais je n'y ai pas pensé, ça fait rien, c'est pas grave. Je vais le mettre là. Alors, je vais le coller avec quel colle, parce que là, je veux que ça colle bien. Je ne sais pas si j'ai ma colle à bijoux ici. Et non, elle est en bas. Bon, bah c'est rien. On va coller avec la colle scotch. Normalement, ça devrait aller. Parce que là, la colle action, ce ne sera pas assez fort. Hop.
Bien sûr, ça déborde. C'est pas grave. Je vais remettre un papier ou quelque chose pour cacher. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Mais je ne sais pas si je vais en mettre un tout du long. J'avais pas un petit bout de papier tout à l'heure, une petite chute. J'en mets un tout entier. Voilà. Alors maintenant, voilà. Je sais que mon aimant doit venir ici. Donc je vais mettre ma colle. Hop, ça a trop coulé, c'est rien. C'est sur l'envers. Oh, pardon. Donc ici, ce que je vais faire pour tenir, je vais mettre du scotch. Scotch normal. Hein. Donc maintenant, il me reste pour l'instant à coller sur ma feuille noire que j'ai mise ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc on va mettre bien de la colle partout. Bon, ici comme c'est de la colle, on va pouvoir bouger un peu. Hein. J'ai mon aimant ici. Voilà. Je regarde quand même parce que c'est vrai que ça m'embête qu'il n'y ait rien là. Et là,
Alors, je regarde. Bon, c'est écrit en italien, hein, alors je comprends pas très bien ce qui est écrit, mais... Mais bon, comme j'avais dit, normalement, les décors, je les mettrai après. Je vais peut-être prendre un... Un petit kiss-me. C'est quoi? Non. Bon, les décors, je les ferai plus tard. Je vais juste mettre le petit Kiss Me. Alors, en 3D. Ah mince, ah si, non, excusez-moi, je croyais que j'étais pas en train de filmer, je croyais que j'avais pas allumé ma caméra. Ah, n'importe quoi. Voilà, mon petit Kiss Me comme ça. Et là, je mettrai quelque chose. Là, il y a un love, je mettrai peut-être. Est-ce que ma perfo... Bon, presque. Bon, c'est pas tout à fait, mais... Bon, on verra plus tard le reste. Pour l'instant, voilà. Donc là, je vous dis, je vais mettre un petit quelque chose. Alors, je ne sais pas si je mettrai soit un nœud. Non, un nœud, ça va faire cucu. Un nœud, ça va faire cucu. Peut-être celui-là. Il fait moins de cucu, celui-là. Alors, ce sera le neuneu. Alors, où ben, c'est vous qui allez choisir. Je vais regarder. Oh, pardon. Je vous ai fait bouger. Alors, là-dedans, j'ai rien. Ça, peut-être. Est-ce que j'ai quelque chose qui irait? Je suis pas sûre.
Voilà. J'ai les grosses demi-perles. Ce sera beaucoup mieux, je pense. Donc, vous allez choisir entre... Là, j'en ai que... Non, ça, c'est bleu marine, donc ça n'ira pas. C'est bleu marine. Entre mettre une... Alors, vous allez choisir en commentaire, vous allez me le dire. Entre mettre, comme ça, une demi-perle. Alors, de toute façon, j'ai que... Ce qu'ils iront avec cette couleur-là, vous voyez, je n'aurai que des blanches, parce qu'après, c'est rose, violet, bleu. Peut-être une rose. On va voir ce que ça fait. Voilà. Alors, rose ou blanche, hein. Ou alors, ça, mais c'est déjà plus gros, hein, un bouton fourrure. Ou alors, un petit nœud rouge à pois blanc. J'ai plus de noir, donc c'est pareil. Ou un petit nœud rouge. Voilà. Dans ce sens-là, dans l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc vous choisissez un des petits nœuds, le bouton fourrure. Oups. Allez, viens là, toi. Ou une des deux perles. Ouais, j'ai rien d'autre hein, pour l'instant sous la main. J'ai peut-être d'autres choses, mais bon, il faudrait que je regarde dans mes boîtes. J'ai aussi celui-là en bouton fourrure, mais... Alors, attendez. Ou le bouton fourrure gris pâle. Voilà. Alors, je vous les mets là. Voilà. Donc, je vous laisse choisir ce que je vais mettre ici. Donc, vous me dites. Le nœud rouge à pois blanc, le nœud tout rouge, le bouton fourrure rouge, le bouton gris, fourrure gris ou les demi-perles, soit la rose, soit la blanche. Voilà, je vous laisse choisir. Hein, et puis, sur la prochaine vidéo, ben, je mettrai ce que vous avez choisi. Celle qui aura reçu le plus grand nombre de propositions. Voilà. Donc, je vais les mettre de côté. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous les remontre sur ma main. Hop. Vous les verrez mieux. Voilà. Alors, moi, je vais les mettre ici avec mes aimants. Comme ça, je ne cherche pas. Et donc, voilà la page pour d'aujourd'hui. Voilà. Pareil, hein, je ne cherche pas trop compliqué en ce moment. Vous voyez ? Donc, avec l'aimant. Donc, on pourra faire une photo ici si on veut. Une là, une là, une là. Et elle se ferme par un aimant. Voilà. Voilà. Donc, voilà la page d'aujourd'hui. Bon, toute simple. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que je mette ici. Voilà. Je mettrai ce que vous avez choisi. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette page. Bon, je vous dis, je fais super simple hein, en ce moment. Après, je mettrai, quand l'album sera fait, de toute façon, il y aura des décos qui vont revenir dessus hein, pour lui donner du punch. Parce que là, pour l'instant, bon, comme je viens de dire, il est simple. C'est la construction pour le moment. Donc là, bon, comme j'ai dit, on pourra mettre, vous voyez, donc ici avec l'aimant. On peut même mettre quelque chose là. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq photos. Et on peut encore mettre quelque chose là si on veut. Et voilà, ça se ferme avec l'aimant. Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos propositions pour la petite déco à mettre sur la languette.
Donc on la mettra ben, la prochaine vidéo. Donc j'essaie de vous la faire rapidement, hein. J'attends vos commentaires avant, bien sûr. J'essuie la colle parce qu'après ça va se boucher. Et puis une fois que c'est bouché, on ne sait plus s'en servir. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, à bientôt.